Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir télécharger Call of Duty Cold War version zombie multi campagne comme vous voulez. Alors quand vous avez précommandé le jeu sur PlayStation Store, vous allez pouvoir aller dans votre boutique, donc bibliothèque, donc voilà comme ceci. Vous allez dans acheter et là vous classez par ordre alphabétique hein, et vous allez sur C. Donc voilà, quand vous arrivez sur Call of Duty, il est marqué la bêta, alpha, bêta, mais ça on s'en fout, c'est Call of Duty Cold War, le vrai jeu. Il est marqué 6 jours, 11 heures, il sera je pense jeudi minuit. Hein. Donc voilà, jeudi, vendredi à minuit, donc jeudi soir, on va pouvoir jouer à Call of Duty Cold War. Alors pour pré-télécharger le jeu, comme ça bah, vous l'aurez directement dès jeudi à 23h. 59 et 59 secondes, boum, il passe minuit, logiquement vendredi minuit, donc à la première seconde de vendredi, on pourra jouer à Cold War, donc voilà, il faut le savoir. Donc voilà, vous cliquez sur le jeu Cold War, vous mettez télécharger, et là, logiquement, vous allez pouvoir choisir les jeux que vous voulez. Attendez, on va regarder ça, voilà. Soit vous choisissez le mode de jeu Dead Ops, soit vous choisissez le mode de jeu Campagne 1, 2, 3, soit vous choisissez le mode de jeu Zombie, Base Install, soit vous choisissez le mode de jeu multiplayer, voilà. Alors par contre, j'ai une petite remarque à vous dire. Je ne comprends pas comment c'est possible que le mode zombie, le mode zombie les mecs, hein, fait 3,8 giga, or que rien que Dead Ops fait 4,8 giga. C'est quoi cette grosse douille? Dites-moi, c'est quoi ce problème-là? Je comprends pas. Normalement, un zombie, ça doit être le truc le plus gros. Bon, il n'y a qu'une map pour l'instant, mais putain. 3,8 gigas, ça veut dire quoi? Moi, je m'attendais à 1 milliard de gigas pour Call of Duty Zombie, là. Non, mais sérieux, j'espère qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Enfin, bref. Donc là, pour Dead Ops Arcade, 4,8 gigas. La campagne numéro 1, les mecs. Hein. La première partie de campagne, 13,5. La deuxième partie de campagne, 11,5 et la deuxième 17,9. C'est le truc qui prend le plus de giga, les mecs. La campagne, quoi. Voilà les moyens qu'ils ont mis dans la campagne, quoi. Et pour le multijoueur, c'est 10,6 giga. Pour le zombie, franchement, à côté, je le sens tout petit, quoi. Mais bon, après, le zombie, à mon avis, va prendre de l'ampleur avec les DLC gratuits qui vont arriver. Bien entendu, moi, je vais tout sélectionner. Voilà, voilà. Et je vais tout télécharger. Voilà. Et voilà, logiquement, ben, quand jeudi, je le répète, à 23h59 et 59 secondes, donc vendredi 13 novembre, à la première seconde de vendredi, normalement, nous pourrons jouer à Call of Duty Cold War. Normalement, je dis bien, il faudrait que je calcule avec le décompte, j'ai pas calculé. Mais voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.